Oh, oh, il est si beau. Un petit peu plus. On ne se supporte pas. Ça risque d'être difficile. Non, non, it's okay, really, Tom, it's okay. Bonjour Julianne Moore et Colin Firth. Vous discutiez avant cette interview. Durant le tournage, c'était pareil. Vous discutiez souvent ensemble. Tout le temps. Elle ne sait pas se taire. C'est sans arrêt. Je suis pipelette. Julianne, ils sont prêts. La caméra est en place. Hein. Et après, il me disait, t'as entendu ce qu'il m'a dit? J'y crois pas. Et Tom disait, action, action. C'était très difficile de nous faire travailler. C'est vrai, on aime parler. Mais de discuter avant les prises, ça vous a aidé à créer les personnages? J'aime parler, c'est tout. J'aime ça et dans le fond, ça m'aide. Car si je pense que je suis avec quelqu'un avec qui j'aime discuter, ça me détend. Ça tient aussi à la nature de la scène que nous tournions. Il fallait qu'il soit totalement spontané, car ce sont des gens qui se connaissent très très bien. Ah oui. Alors, c'était pas mal d'être déjà dans le mouvement, plutôt que d'analyser la scène et choisir une attitude de jeu. Je pense que c'était plutôt fluide. Notre relation est devenue celle à l'écran. Cette façon dont elle est attirée par moi. Il fallait que je la mette à distance tout le temps. Il n'a pas arrêté de me repousser. Plus loin, plus loin. Oui, lâche-moi, tu veux. Charlie, there's nothing wrong with your life. You just like feeling sorry for yourself. It's one of your great pleasures. And it's not one of yours. You're as pathetic as I am. Feeling sorry for myself is definitely not one of my great pleasures. Well, it's not one of mine either. I don't like feeling sorry for myself one bit. In the movie, I like very much. Dans le film, j'aime beaucoup la relation entre Colin et Julianne. Le titre de ce long métrage, c'est A Single Man, un homme seul. Mais ça aurait pu être aussi A Single Woman. Car finalement, c'est la rencontre de deux solitudes. Meet together. Well, you know. Vous savez, les trois personnages principaux du film, le jeune homme qui est à la fac, le personnage de Colin et le personnage de Julianne Moore, sont tous à un moment de leur vie où quelque chose doit changer. Ils n'ont plus d'avenir. C'est un peu le fil rouge de l'histoire, tous ces personnages essayent d'établir le contact et ils n'ont plus d'avenir. Les personnages joués par Colin et Julianne se connaissent depuis très longtemps, alors qu'en fait, ils ne s'étaient jamais rencontrés avant la veille du tournage de cette scène. Mais ensemble, ils ont créé une telle intimité qu'on a l'impression que ce sont de grands amis, parce que ce sont vraiment tous les deux de grands acteurs. Don't you ever miss this? What we could have been to each other. Having a real relationship and kids. I had Jim. No, I mean a real relationship. Jay, let's be honest. What you and Jim had together was wonderful, but wasn't it really just a substitute for something else? Je suis d'accord avec Colin. Ça parle du sentiment de perdition, d'isolement, du désir de retourner en arrière et d'être incapable d'aller de l'avant. Ils ont une grande nostalgie du passé, mais ce qui m'a le plus séduite dans la scène que nous jouons ensemble, c'est qu'elle dévoile une longue et tendre amitié. On voit rarement ça dans les films. Des gens qui se connaissent depuis plus de 20 ans et l'amour, la compassion, le lien qu'ils ont tissé. Ça ne devrait pas marcher. Les règles du cinéma m'indiquent que cette scène ne devrait pas marcher. Vous savez, il y a trois actes dans un film en général. Il n'y a pas un film dans le film simplement planté là, sans qu'on ait rien montré de l'histoire des personnages, à part ce qui est suggéré dans ces extraits. Et pourtant, ça marche. Je crois que les gens sentent que c'est le moment le plus fort du film. Nous, on l'appelle 8 pages de dialogue en 1 minute. Mais j'étais très inquiet quand je l'ai lu dans le scénario. Je me demandais comment les gens allaient s'identifier à notre histoire. On y évoque nos souvenirs, on se plaint et on s'accuse de choses très mesquines. Et on danse un peu. Oui, on danse un peu aussi. On boit, on se dispute. Elle va même essayer de remettre le couvert encore une fois. Cela tient peut-être à la magie de Tom qui sait mettre les bonnes personnes ensemble ou qui avait l'intuition que ça marcherait. Julianne, comment décririez-vous le personnage de Colin? Son personnage? Sa personnalité? Son personnage dans le film? Sa personnalité? Laissez-moi réfléchir. Ce serait amusant, non? C'est un personnage en crise.
C'est un homme homosexuel qui vit à Hollywood en 1962 et qui a perdu celui qui était son partenaire depuis 16 ans. Je n'ai jamais eu à décrire le personnage de quelqu'un d'autre auparavant. C'est intéressant. Il est totalement perdu. Pas du tout, c'est faux. Il est en deuil, je me trompe. Je crois que c'est un film sur le chagrin, l'amour et le deuil. Et Colin, comment décririez-vous le personnage de Julianne? C'est une femme somptueusement belle, une créature irrésistible même. Ils s'accrochent chacun à quelque chose pour différentes raisons. Je crois qu'ils aimeraient tous les deux pouvoir faire revivre le passé chacun à sa manière. Ils essayent de donner un sens à leur vie en contrôlant le monde qui les entoure. Un des moments favoris, et le moment que je préfère dans le film, est une scène de Julianne seule. Oh, merci. Elle essaye de parfaire son œil. Elle est juste assise, défaite, presque en train de se répéter qui elle est, en essayant de contrôler les choses sur lesquelles elle n'a aucune maîtrise, jusqu'à prendre un air détaché pour demander du gin. Ah, au fait. Ah oui, tu ne voudrais pas ? Elle aurait aussi bien pu se lever et prendre la bouteille. J'adore la couleur de la bouteille. Je crois qu'ils ont pas mal de choses en commun. C'est essentiellement une histoire sur des gens de cet âge qui sont tous les deux perdus. Hello. What are you up to, kiddo? Just trying to finish up a book. How's your day going? Fine. I was just leaving school. I wanted to know if you needed anything for tonight. Oh, thanks. You're sweet. But I think I'm all set. Oh, be a darling and pick up some gin for me. Tanqueray. I love the color of the bottle. You love what's in it. Ce film est adapté d'un livre, vous l'avez lu il y a 20 ans? Oui, j'ai lu le livre de Christopher Isherwood qui est paru en 64. Ça se passe dans les années 60. J'ai lu le livre pour la première fois quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans. À l'époque, je vivais à Los Angeles, j'étais un jeune acteur et j'avais adoré le livre. Ce qui m'avait plu, c'était le personnage de George qui est magnifiquement écrit. Et j'avais l'impression que je pourrais rencontrer ce personnage tellement il était bien écrit. Plus tard, j'ai rencontré Christopher Isherwood, l'auteur, à peu près à la même époque, et j'ai appris que tous ces personnages étaient autobiographiques. Donc, d'une certaine manière, j'avais rencontré le personnage de George. Il y a 4 ans, j'avais des problèmes à me trouver un bon projet, et en réfléchissant, j'ai repensé au personnage de George. Alors je me suis dit qu'il fallait que je remette la main sur ce bouquin et que je le relise. Et c'est ce que j'ai fait. C'était totalement différent. J'y ai trouvé une grande inspiration spirituelle. Je crois qu'à 20 ans, j'étais trop jeune pour comprendre le sens de ce livre. Peut-être, en effet. Ça parle d'un homme qui ne se projette plus dans l'avenir, d'un homme qui se débat pour vivre dans le présent. Yes, Mr. Potter. Are you going somewhere, sir? That is usually why people get into their cars. No, I mean, are you going on vacation or something? What? Well, I saw you cleaning out your office. Pour être honnête, la première fois que j'ai entendu que Tom Ford allait réaliser un film, je me suis dit, ça va être un défilé de mode. Mais ce n'est pas le cas. C'est un très bon film avec de vrais personnages. Était-ce compliqué de trouver le bon équilibre entre la place prédominante des personnages et le style du film ? Oui, c'est amusant car personne ne m'a posé la question pendant que je développais ce projet. On me disait, tu veux réaliser un film ? Et moi, je disais, oui, bien sûr. Et on répondait, génial. Une fois le film terminé, on m'a dit « Je ne croyais pas que tu arriverais ». Je voulais aussi dire que pour moi, c'était curieusement très naturel. Le plus difficile, c'était de trouver une histoire qui méritait d'être racontée. Et honnêtement, ça m'a pris presque 1 an et demi pour comprendre quel genre de film je voulais faire. Je sais qui je suis en tant que créateur de mode, mais franchement, qui s'intéresse à un film réalisé par Tom Ford, le styliste ? Même moi, j'étais conscient de ça. Je me suis demandé quelle était ma voix. Quand on fait quelque chose, il faut que ce soit parlant, que ça veuille dire quelque chose. Il fallait donc que je m'interroge sur ce que je voulais dire. Le plus important était de trouver une histoire qui mérite d'être racontée.
Travailler avec les acteurs, c'est très important, mais le style dans lequel on enveloppe cette histoire, et je ne sais pas si je réponds à votre question, mais le style qui enveloppe l'histoire est secondaire. Il est là pour soutenir les personnages et soutenir l'histoire. Colin, étiez-vous surpris que Tom Ford vous contacte pour vous proposer ce personnage? Surpris, peut-être un peu inquiet aussi. J'étais surpris, oui, mais je n'ai jamais été inquiet parce qu'il n'y avait rien d'inquiétant au départ. J'étais simplement surpris qu'ils choisissent un tel sujet. Mais, vous savez, j'étais surtout curieux. Puis, quand j'ai lu le livre, puis le scénario, et quand j'ai appelé Tom, tout est devenu cohérent. Donc, je n'ai jamais eu peur du résultat. Je savais que c'était une certaine prise de risque pour tout le monde. Il pariait sur moi aussi. Il allait me mettre dans presque toutes les scènes du film. Donc ça mettait une certaine pression sur vous. Oui, tout à fait. Mais il y a quelque chose dans le fait qu'on vous fasse confiance qui fait qu'on donne aussi notre confiance. Je ne sais pas très bien pourquoi, ça marche comme ça. Mais le fait qu'il me fasse si pleinement confiance faisait que je devais lui rendre l'appareil. What am I doing here, Joe? Tell me, what? You have plenty of friends, you'll be fine. Yes, I have friends, but none of them need me, and yes, I have you, and if you weren't such a goddamn puff, we could have all been happy. Et vous, Julianne, vous avez tout de suite accepté le film et votre rôle? J'ai vraiment beaucoup aimé le scénario. J'avais rencontré Tom et il m'avait envoyé le scénario. J'ai été très impressionnée et j'ai adoré le rôle. Je l'ai trouvé génial. Quand Tom est venu pour m'en parler, il était tellement précis et il avait une vision merveilleuse de ce qu'il voulait accomplir. Tom est incroyablement bien préparé quand il travaille. Il est très méticuleux et a une éthique de travail comme je n'en ai jamais vu. J'ai toujours cru qu'il arriverait à accomplir ce qu'il avait entrepris. So explain your friend Charlotte for me. What would you like to know? I don't know. You seem very intimate, I guess. Like you were once together or something. Le processus créatif est-il le même en tant que créateur de mode ou réalisateur? Travailler avec des mannequins ou des acteurs, vous pensez que c'est similaire ou pas vraiment? Travailler avec des top modèles ou des grands acteurs, c'est très différent. Et ce n'est même pas la part la plus importante du travail de créateur. Ça ne vient qu'à la fin. Ce que ces deux mondes ont en commun, et c'est sûrement vrai dans de nombreux domaines créatifs, c'est qu'il faut avoir une vision, il faut avoir quelque chose à dire. Ensuite, il faut embaucher une équipe de personnes, de techniciens, qui peuvent vous aider à concrétiser cette vision. Vous ne pouvez pas faire tout seul. En tant que styliste, on travaille avec des modélistes qui travaillent à l'atelier à faire des choses, avec un chausseur qui fait les chaussures. On travaille avec beaucoup de gens, on a une équipe créative. Dans le cinéma, on travaille avec le caméraman, le créateur des costumes, du maquillage, avec les acteurs. Il faut donc créer une équipe et il faut créer un environnement où ces gens peuvent vous donner le meilleur d'eux-mêmes, où ils pourront être aussi créatifs qu'ils savent l'être. Et en même temps, il faut les diriger de manière très douce vers le résultat que vous voulez obtenir. Donc le processus est assez similaire. Ce film, ça a été une bonne première expérience et vous voulez en faire un autre tout de suite? C'était une expérience géniale dans tous les sens possibles. J'en ai aimé chaque minute et je jalouse tous mes amis qui s'apprêtent à démarrer un nouveau film. Well, sir, I'm afraid this time you don't have the excuse of mescaline to explain your band-aid. I think we should get you out of those wet clothes. Yes, sir. J'étais avec Ewan McGregor il y a deux semaines, qui joue dans I Love You, Philip Morris, où il interprète un homosexuel, et il me disait que ce n'était pas vraiment difficile, mais c'était différent de jouer un homme gay, en évitant les clichés et en essayant d'être réaliste. Ça a été difficile pour vous aussi à interpréter ce personnage ou pas vraiment? Non, la seule fois où ça a été difficile d'être gay, c'est quand elle m'a embrassé. Ça, je vous comprends. Non, le reste du temps, il n'y avait rien à jouer. George ne conduit pas sa voiture de manière gay. Il ne donne pas ses cours non plus de façon gay. C'est juste un homme qui vit ses journées comme n'importe quel autre homme. Ce que je trouvais remarquable dans la performance de Colin, c'est la manière dont il exprime son chagrin. C'est très émouvant. En le regardant, on a le sentiment que c'est quelqu'un qui souffre profondément, mais qui essaye d'évoluer dans le monde de la manière qu'il croit normale. J'ai trouvé cela très beau de voir un personnage se débattre avec cela.
Mais vous avez joué le rôle d'une lesbienne dans le film Pipali. Oui, oui, c'est vrai. Est-ce que cela a été difficile pour vous ou pas du tout? C'est un travail comme un autre? Je crois que Colin a raison. On interprète le rôle d'une personne, pas d'une sexualité. La sexualité n'est qu'une partie de ce qu'ils sont. Je pense que le personnage qu'interprète Colin, cet homme, ce professeur, est tellement fascinant qu'il savait exactement qui il était. J'aime beaucoup ce que tu as dit à propos des gens qui contrôlent leur image. On voit que sa façon de s'habiller, sa façon de porter ses cheveux, de se comporter, ses manières, il veut contrôler tout cela et finalement cela le contrôle. Ces deux personnages essayent de se définir en contrôlant le monde extérieur. Ils veulent donner l'impression d'être confiants, l'impression d'être capables. Charlie veut avoir l'air sophistiqué, capable de tout, prêt à faire la fête. George veut donner l'impression qu'il peut se comporter dignement en toutes circonstances. Il fait appel à l'ironie. Il a un certain sens de l'humour. Genre, le monde va exploser d'une minute à l'autre, alors pourquoi s'inquiéter pour un abri nucléaire? C'est vrai. Il a des valeurs bourgeoises. Mais l'une des choses pour lesquelles il ne se définit pas, c'est sa sexualité. Je crois que si vous interprétez un personnage, quelle que soit son orientation sexuelle, ou en tant que personne, certains font étalage de leur sexualité, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. George ne le fait pas. C'est une des rares choses avec lesquelles il est en paix. Le film se passe dans les années 60. Était-ce le même problème d'être homosexuel à cette époque qu'aujourd'hui? C'est encore difficile pour certaines personnes? Je crois que pour certains, oui. Mais pour moi, ça n'a jamais été un problème. Hormis le fait que je vis avec le même homme depuis 23 ans, qui est aussi journaliste de mode, il s'appelle Richard Buckley. Le problème, c'est que légalement, nous n'avons pas le droit de nous unir d'une manière qui soit reconnue par l'État. C'est ça qui ne va pas. Que ça concerne les impôts ou plein d'autres choses, nous n'avons droit à aucun avantage, et c'est totalement injuste. En ce qui concerne la discrimination dont j'ai pu faire l'objet dans ma vie, je suis arrivé après les manifestations de Stonewall, et des générations de couples d'hommes et de femmes homosexuels avaient déjà mené le combat. Alors je n'ai jamais ressenti ça. Quand je suis arrivé à New York dans les années 70 et que je me suis rendu compte que j'étais gay, c'était presque à la mode d'être gay à cette époque. C'était avant le sida et c'était plus simple. Mais je ne me définis pas par ma sexualité, ce qui est aussi une approche plus moderne. Je suis maniaque, les gens disent que je suis un maniaque du contrôle, je suis ceci, je suis cela. Et je suis aussi gay, mais ce n'est pas la principale caractéristique de ma vie. Colin, vous êtes nominé aux Oscars pour ce rôle. C'est quelque chose d'important pour vous, cette nomination? Oui. Ça n'est jamais arrivé auparavant. Et c'est comme... Elle sait de quoi je parle. C'est comme avoir un titre ajouté à votre nom pour le restant de vos jours. C'est très drôle et tu l'auras sûrement. C'est quoi? OBE? Tu crois que je l'aurai? Oui, je crois. Tu crois qu'on dira sœur, Colin ou baron? Oui, je le sens bien. C'est quoi déjà? CBE, OBE? CBE, c'est commandeur. Oui, je pourrais être commandeur. Oui, ce serait très bien. Et toi, tu es une marque déposée des Oscars maintenant, c'est ça? Oui, c'est vrai. Maintenant, Colin aura ce titre pour le restant de ses jours. Au dos des DVD, par exemple. Exactement. Oui, il y aura sur tout le dos des DVD que personne ne veut regarder à moins qu'il y ait un nommé aux Oscars. Donc c'est important pour le business et votre carrière. Absolument. Et vous aimez ce genre de cérémonie? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois répondre? Dis oui. Oui, j'adore. Merci beaucoup à tous les deux.